Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, je suis Terence Niembou Mutsona, fils d'André Avelin Niembou Mutsona et de Lucienne Mwanda Bipanda. Je suis chef d'entreprise, né il y a 50 ans à l'hôpital de Libreville et provenant, comme mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, du pays Nzebi. Je suis donc Gabonais comme vous. C'est avec gravité et émotion que je me présente devant vous, entouré de mes compatriotes, des Gabonaises et des Gabonais, dont certains sont peut-être vos amis, vos parents, vos collègues ou vos voisins. Des compatriotes vivant près de chez vous et parmi vous. Des compatriotes fonctionnaires, travailleurs du secteur privé ou parapublic. Des artisans, des commerçants, des artistes, des étudiants, des retraités, des chômeurs. Des compatriotes venant des pays fans, Pongwe, Orungu, Nkomi, Galois, Kounou, Nzebi, Masango, Gissir, Teke, Obamba, Ndoumou, Kota, Apinji, Okande et j'en passe. Disons des compatriotes originaires de l'Estuaire, du Haut-Ogoué, du Moyen-Ogoué, de l'Angounié, de la Nyanga, de l'Ogoué-Vindo, de l'Ogoué-Lolo, de l'Ogoué-Maritime et du Wolentem. Des compatriotes qui partagent vos réalités et vos difficultés quotidiennes. Mais surtout, des compatriotes qui partagent avec beaucoup d'entre vous un point commun, leur amour du Gabon et leur volonté de changement et d'alternance à la tête du pays. Je ne reviendrai pas sur les mots accablants qui minent notre pays et ce dans tous les domaines. Je ne parlerai pas de cette jeunesse à l'abandon,
de ces étudiants diplômés et sans perspective d'emploi, de nos aînés retraités, maltraités. Je ne parlerai pas des défaillances de notre système de santé, de la ghettoïsation de nos villes, au sein desquelles, en 2023, l'eau et parfois même l'électricité sont une denrée rare. Je ne parlerai pas de cette pauvreté grandissante qui touche un Gabonais sur trois. Devrais-je parler de notre système éducatif et de l'université gabonaise, de l'absence de routes et d'infrastructures dignes, tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, de nos frères et sœurs d'Ovan, de Medouneux ou d'Ibundji, totalement enclavés, ou de ceux de Logoué, Lolo et du Haut-Ogoué, otages d'une voie ferrée défaillante? Devrais-je parler du conflit homme-faune, où la cause, certes noble de la préservation de l'environnement et de la faune, prend le pas sur la sécurité physique et alimentaire de nos compatriotes dans les villages? Faut-il parler de la gangrène de la corruption et des détournements de fonds publics qui minent l'ensemble des sphères de décision, des pans entiers de notre économie au sein desquels les Gabonais sont absents? Faut-il parler de la vie chère qui appauvrit chaque jour davantage nos compatriotes? Faut-il parler de notre dépendance alimentaire, de nos artistes et créateurs dans l'incapacité de vivre de leur art en dépit de talents incontestés? Faut-il parler de nos compatriotes coincés à l'étranger, loin de leur pays et de leur famille, parce qu'ils ont exercé des droits que leur garantit la constitution de notre pays? Faut-il évoquer l'abaissement de nos valeurs et de nos traditions? La litanie des plaintes serait longue, tant le bilan des 14 dernières années du pouvoir en place est catastrophique. C'est pourquoi le temps est venu de passer à autre chose. Face à un pouvoir qui n'est plus en capacité de répondre aux besoins de justice sociale des populations et aux challenges d'une économie ouverte et mondialisée. Un pouvoir qui nous dit à chaque 17 août que le pays va de mieux en mieux et qui a décidé de postuler un nouveau bail sans faire le bilan des deux premiers. À la lecture de l'excellent travail réalisé par deux brillants de nos compatriotes, j'ai cité Maïse Mouissi et Harold Leka, on comprend mieux pourquoi le pouvoir passe son bilan sous silence, puisque ce travail pointe que seules 13 promesses sur 105 ont été réalisées par Ali Bongo Ondimba. Mes chers compatriotes, la situation chaotique de notre pays et les échecs successifs de nos prédécesseurs dans ce combat pour l'alternance ne doivent pas nous faire perdre notre espérance d'un Gabon meilleur et notre certitude d'une alternance prochaine à la tête du pays. Au sein du Parti du Réveil Citoyen, nous y travaillons avec force depuis plusieurs années, ainsi qu'avec d'autres partis et personnalités réunis au sein de la plateforme Alternance 2023, dont j'assure la vice-présidence. D'autres pays ayant connu des tragédies pires que ceux que nous vivons ont réussi à se réparer et à se restaurer en seulement quelques années, grâce à une bonne gouvernance, un leadership avisé, une exploitation de l'ensemble des intelligences nationales et une gestion adéquate des ressources du pays. Nous nous devons de mener ce combat pour la libération et le réveil du Gabon. Ce combat pour nos droits, notre dignité, nos valeurs, pour nous, nos enfants et arrière-petits-enfants. Pour cela, notre pays a besoin d'un nouveau leadership, incarné par des Gabonaises et des Gabonais avides de changement, aimant le Gabon et affranchis des scories du passé. Le pays a besoin de nouveaux leaders politiques, qui ne sont liés au pouvoir par aucun pacte, qui ne sont associés ni de près ni de loin à la gouvernance actuelle, qui peuvent encore trouver grâce aux yeux de nos compatriotes désabusés par les va-et-vient incessants du personnel politique entre l'opposition et le pouvoir et qui ont fini de décrédibiliser le personnel politique.
des Gabonais comme vous et moi, qui ne sont pas déconnectés des réalités quotidiennes de nos compatriotes et qui sont capables de loyauté, de fidélité envers les populations, mais surtout qui sont capables de détermination et de sacrifice pour défendre vos suffrages. C'est pourquoi, en responsabilité, pour l'histoire, pour nos enfants, pour tous nos compatriotes qui aspirent à cette nouvelle espérance, le PRC, notre parti, m'a demandé d'être son porte-étendard à la prochaine élection présidentielle et j'ai accepté avec humilité et gravité cet honneur qui m'est fait. Oui, je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Je ne doute pas qu'avec votre soutien à tous, celui de mes amis et compagnons de route ici réunis, celui de l'ensemble des Gabonais épris de changement, de justice et de paix, de quelque horizon qu'il soit, l'alternance sera effective et massive dans les urnes le 26 août 2023. Je ne doute pas qu'avec la foi qui vous anime, votre ferme détermination et assurance, avec le soutien et la protection de Dieu et de nos ancêtres, notre prise de pouvoir sera effective au terme de ce scrutin afin d'offrir enfin à nos compatriotes le Gabon dont nous rêvons tous. Nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement, près de chez vous, pour qu'ensemble nous échangions sur nos 77 propositions destinées à réconcilier, réparer et restaurer le Gabon. Et pour qu'ensemble nous nous levions pour porter cette espérance autour de nous jusqu'aux extrémités du Gabon et au-delà. C'est ensemble que nous allons changer le Gabon et c'est ensemble que nous irons jusqu'au bout. Vive la République, vive le Gabon, je vous remercie.